Demandez, vous obtiendrez. Matthieu 7, 7. Ces mots de l'évangile sont presque devenus un dicton. C'est pourquoi ils peuvent être facilement vidés de leur sens ou détournés. Ainsi, lorsque nous imaginons sous couvert de foi que Dieu serait simplement au service de nos désirs ou de nos projets, il suffirait de demander, Dieu ferait le reste. Pour réajuster notre foi, il nous faut de nouveau nous tourner vers le Christ, nous convertir, apprendre de lui à vivre ce qu'il nous enseigne, comme lui-même l'a vécu. Ainsi, tout au long des jours de sa vie terrestre, le voyons-nous s'en remettre au Père, dans une confiance sans limite, jusque dans la passion, quand il semblerait que le Père se fait absent, sourd à la prière. Pourtant, à cette heure même, le Père veille sur la vie du Fils. Il lui fait traverser la mort en vainqueur du péché. Nous aussi, Dieu nous exauce quand nous l'implorons, non pas en nous procurant la vie que nous rêverions, mais en nous donnant part dès le temps présent à celle du ressuscité, pour affronter dans sa puissance toutes les situations où semble encore régner la mort.